Bienvenue à Ville en action. Nous vous présentons aujourd'hui la troisième et dernière de notre série d'émissions portant sur les événements marquants de 2013. Cette troisième émission relate les faits saillants de l'actualité municipale de Saguenay au cours des quatre derniers mois de l'année. Vous vous en doutez bien, l'incendie du pont du Buc entraînant sa fermeture a été l'événement qui a retenu l'attention en décembre. Débutons tout de suite avec le mois de septembre. La 18e édition du Festival forestier de Chibcha, présenté sous la présidence d'honneur de Marc Robitaille, a fracassé cette année tous les records. Les organisateurs estiment que plus de 20 000 personnes ont franchi les tourniquets pour assister à l'une ou l'autre des nombreuses activités qui leur étaient proposées tout au long de la fin de semaine. Le festival a relevé le défi de la croissance et l'organisation permet à la région de bien se positionner au plan international pour la présentation de spectacles, selon le conseiller municipal du secteur, Fabien Vington. Plusieurs moments forts ont marqué le festival, dont les compétitions sportives samedi et la compétition d'hommes forts dimanche, animée par nul autre que Hugo Girard, et qui a donné lieu à un affrontement fort coloré avec le maire de Saguenay, Jean Tremblay. Par contre, j'ai le droit à ma revanche. La nervosité aussi, hein? En tout. En tout. J'en ai vu des plus gros. Les deux spectacles présentés à guichet fermé dans l'immense chapiteau installé tout près du futur centre multiservice ont fait la joie de plus de 3500 spectateurs. Samedi soir, la vedette de country américain Dwight Yoakam, entourée de quatre musiciens, a ravi la foule en enchaînant ses plus grands succès. Vendredi, c'est le chanteur Paul Daresch qui est monté sur scène en offrant, entre autres au public, la plupart des pièces tirées de son album « Mes amours, mes amis ». Il était d'ailleurs accompagné par plusieurs artistes sur la scène, dont Laurent Jalbert, Maxime Landry et Mario Pelcha. Monsieur le maire, êtes-vous content de l'idée que j'ai eue pour le 40 km d'un quartier résidentiel? Honnêtement, je me disais, est-ce que les gens vont répondre? Mais franchement, genre, tu as une bonne idée, puis je pense qu'on va appliquer ça. Il faut demander au ministère, là. On va appliquer ça partout dans la ville. Tu as une bonne idée, puis aussi la consultation citoyen, le demander à tout le monde. Avant d'appliquer ça, ce petit projet pilote-là, j'ai demandé aux citoyens, j'ai envoyé 300 lettres, 85 % du monde qui m'ont dit « oui, on est d'accord avec ce projet-là ». Alors, je pense qu'avec les résultats qu'on vient d'avoir, ça devrait bien aller pour la suite. C'est un dossier bien monté. Bon, je pense que ça va faire du chemin. Ben, je vous remercie. Puis nous, on fait ça pour la sécurité des citoyens et les petits-enfants. C'est un investissement important. Qui va dépasser les 100 millions de dollars. Ça comprend des unités importantes de dépoussiérage, de contour de la poussière, des entrepôts. Il n'est pas question d'avoir de la poussière fine qui se promène partout. La région ici va être impliquée de façon importante dans ce projet-là. Et c'est d'autant plus vrai maintenant qu'on a un lien ferroviaire avec un port, chose qui est drôlement importante pour des projets comme le nôtre. Alors, je tiens à remercier aussi l'administration locale, M. le maire. Je sais que vous avez été en même temps le corps arrière et le porteur de ballon. L'installation portuaire du Saguenay est vraiment formidable. Au début, on regardait pour aller plus vers le port de Québec parce qu'il n'y avait pas encore de desserte ferroviaire qui allait jusqu'au port ici du Saguenay. Et on était un peu sceptiques. Et je dois avouer que les gens du port ont fait un effort pour nous convaincre de façon importante. Puis on était quand même un peu sceptiques. On disait comment ils vont faire dans des délais aussi rapides à faire ça. Là, on s'est rendu compte que les gens du milieu se sont impliqués et puis qu'ici, quand on voulait quelque chose, on arrivait à nos fins. Et franchement, félicitations parce que ça a beaucoup impressionné la communauté d'investisseurs qui sont derrière nous, aussi bien en Asie qu'au Moyen-Orient qu'au Canada. J'ai jamais vécu une aussi belle expérience. Pas d'accrochage, tout le monde de bonne humeur, tout le monde fonctionnait bien. Ça m'a donné confiance dans le dire, oui, cette ville-là, on peut faire des grandes choses. Garde jusqu'à quel point, quand on a un projet intéressant, un projet là qui est dynamisant, regarde jusqu'à quel point la population nous suit. La population embarque, la population est heureuse et joyeuse d'y travailler. Il s'est développé une fraternité, un esprit d'équipe. Et
Je pense que pour une ville, c'est une des plus belles choses qu'on ne peut pas retrouver, d'avoir une collectivité qui travaille ensemble. Et les Jeux du Québec, c'était un événement qui nous a poussé un peu plus loin en tant que société. Au niveau de la population régionale, c'est 92,9% de satisfaction. Et au niveau de la famille des Jeux de l'extérieur et des participants des athlètes de l'extérieur également, c'est 97,7% de satisfaction. C'est impressionnant. On avait un budget prévu de 5,5 millions. Donc, on voit qu'on a nos résultats réels. Avec les résultats réels, on a atteint 5 758 000. Donc, on a plus qu'atteint nos objectifs initiaux. On prévoit terminer avec un surplus de 38 593 $. Ressources humaines. On a créé 54 emplois avec des stagiaires. On a eu 3 866 bénévoles. 45 % étaient âgés de moins de 35 ans. 89,5% venaient de Ville-Saguenay, 6,3% venaient du Lac-Saint-Jean et 4,2% venaient d'ailleurs. Les Jeux du Québec, cette 48e finale, a été marquante pour la ville et la région. Merci à l'équipe de Marc et merci à l'équipe de Marc et Émile pour cette fameuse collaboration entre Sport Québec et le comité organisateur. Merci au maire Tremblay et à tous les employés de la ville qui sont dédiés et impliqués dans cette grande aventure. Merci à tous les bénévoles, les partenaires financiers. Sous le thème « L'équipe fait la force », 250 convives étaient réunis pour la 6e soirée des ambassadeurs lundi à l'hôtel Delta de Jonquière. L'événement orchestré par Promotion Saguenay souligne de façon officielle les efforts des personnes ayant organisé un événement d'affaires ou sportif entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2013. Elles étaient 76 hier à être récompensées et à se voir décerner le titre d'ambassadeur. Deux d'entre elles se sont particulièrement distinguées en étant nommées ambassadeurs de l'année par le maire et président de Promotion Saguenay, Jean Tremblay. Il s'agit de Marc Fortin et de Bernard Noël qui ont mobilisé des milliers de personnes autour de la 48e finale des Jeux du Québec l'hiver dernier à Saguenay. C'est sur ce terrain vacant où se trouvait auparavant l'ancien magasin La Voix Importateur, notamment, qu'un nouveau projet de développement s'apprête à voir le jour dans le secteur Kénougami. L'espace situé à l'intersection de la rue Saint-Dominique et du boulevard du Royaume sera bientôt occupé par de nouveaux commerces. Le promoteur immobilier de Montréal, les développements Brookline, investit la somme de 5 millions de dollars dans ce quadrilatère qui accueillera une nouvelle épicerie de quartier ainsi qu'une station-service Shell. La première phase des travaux débutera dans les prochains jours et devrait être complétée au cours de l'hiver. C'est ainsi que les quelques 3000 passagers et membres d'équipage du navire MS Eurodame ont été accueillis ce matin à leur arrivée au quai d'escale de la baie. Une chorégraphie des comédiens de la Fabuleuse qui avait pris les couleurs de la ligue de croisière Holland America Line, qui célèbre cette année ses 140 ans d'existence et qui est partenaire depuis les tout débuts de la destination de Saguenay. La venue du navire MS Eurodame marque également la 100e escale de croisière internationale à Saguenay. La cérémonie s'est poursuivie avec la remise d'un drapeau souvenir aux passagers et aux citoyens qui se sont déplacés pour l'événement. Le capitaine du navire a ensuite été accueilli au pavillon des croisières afin de procéder à un échange commémoratif. La fête s'est poursuivie à l'extérieur alors que le capitaine de l'Eurodame a été invité à couper un immense gâteau de fête offert aux gens du navire et à la population. Ville en action vous laisse sur ces belles images de la visite de l'Eurodame à Saguenay. Droit,
Depuis la fin de septembre jusqu'au début novembre, c'est ici, sur le site de l'ancien poste de traite de Chicoutimi, que des fouilles archéologiques ont été menées. Une équipe de 4 à 5 personnes a scruté le sol argileux et en a retiré des milliers d'objets remontant aux années 1740, dont plusieurs seront exposés au Musée de la Pulperie en juin prochain. Parmi les pièces retrouvées, plusieurs fragments de pipes, des boutons militaires, des clous et probablement la clé du poste de traite. D'après vous, quelle est la découverte la plus intéressante que vous avez faite ici sur le site? Bien, je vous dirais que c'est la fondation elle-même. Parce qu'on ne se serait pas attendu à retrouver une fondation en aussi bon état. Et par ailleurs, le foyer qui est associé à cette habitation. Ce qui veut dire qu'à moyen long terme, lorsque les fouilles éventuellement se poursuivront, on va probablement être en mesure pratiquement de reconstituer l'espace tel qu'il était à l'intérieur de cette habitation. Les gens vont visiter l'exposition. Par la suite, ils vont partir du musée avec des mini-iPads. Et puis, ils vont venir ici sur le site. Il va y avoir des bornes interactives. Et là, les gens vont pouvoir voir comment était le site à l'époque, à partir évidemment de dessins ou de photographies. Donc, ça devrait être très intéressant. La ville de Saguenay a investi 400 000 $ dans la mise en valeur du site historique du poste de traite et les fouilles, auquel s'ajoute un montant de 50 000 $ du ministère de la Culture. Après la démolition de l'ancien édifice de Chic Pontiac qui a fait place à un centre santé et le début de la construction des terrasses Sainte-Anne sur la rue Jacques-Cartier, un autre projet est en voie de se réaliser au centre-ville de l'arrondissement de Chicoutimi. Le bâtiment abritant l'entreprise Roy Moteur, situé sur la rue de l'Hôtel de Ville, passe à son tour sous le pic des démolisseurs. La bâtisse fera place à un édifice commercial flambant neuf qui sera construit par des investisseurs privés au cours des prochains mois. Si on ajoute le chantier de Place du Citoyen, c'est une véritable métamorphose qui est en train de subir le centre-ville de Chicoutimi. Pour le maire Jean Tremblay, il est clair que cela démontre bien que le plan d'action mis en place par la Ville et Promotion Saguenay fonctionne à plein régime. Mentionnons que d'autres projets d'investissement devraient se concrétiser au cours des prochains mois et des prochaines années. La cérémonie d'assermentation de 17 conseillers municipaux et du maire de Saguenay, Jean Tremblay, a eu lieu ce midi à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de l'arrondissement de Chicoutimi. Les conseillers et le maire qui ont été élus le 3 novembre ont prêté officiellement serment avant de signer le livre d'or de la ville. Le maire a également présenté les conseillers qui formeront le prochain comité exécutif. Une centaine de personnes, des membres des familles, des élus et des amis, ont assisté à la cérémonie. J'aimerais féliciter les candidats qui se sont fait élire à la dernière campagne. Chacun d'entre eux vous dira qu'il n'est pas facile de convaincre les citoyens de nous faire confiance. Plusieurs nouveaux visages se retrouveront autour de la table. Ils prendront sans doute quelque temps pour se familiariser avec l'appareil municipal. Mais mes premiers contacts me laissent présager que ce ne sera pas très long. Chaque conseiller, conseillère, a une lourde tâche. En plus de participer aux grandes décisions qui concernent l'avenir de notre municipalité, ils doivent être aussi efficaces pour répondre aux besoins quotidiens de chacun des citoyens de leur quartier. C'est un devoir pour eux de tout faire pour donner satisfaction à leurs préoccupations. Le citoyen, c'est le roi. Et vous avez été élus par eux, il ne faut jamais l'oublier, c'est-à-dire qu'ils vous font confiance pour vous préoccuper positivement et avec empressement de chacun de leurs problèmes. Les efforts de Promotion Saguenay pour inciter la compagnie Nordia à installer son plus grand centre de services du Québec au centre-ville de Jonquière ont porté fruit. L'entreprise, une filiale de Bell, y créera plus de 450 emplois. Promotion Saguenay travaille à la concrétisation de ce projet depuis plusieurs mois. Le choix de l'édifice Place Centre-Ville pour accueillir le nouveau centre était tout désigné car le bâtiment deviendra la propriété de la ville dans 12 ans. La construction du centre débutera dès janvier et sera opérationnelle au mois de mai. Il injectera 16 millions de dollars par année dans l'économie locale. La ville, on reçoit des dossiers comme ceux-là, il faut que ça fonctionne. Alors, on a un outil extraordinaire qui s'appelle Promotion Saguenay, qui nous permet d'être souple, qui nous permet d'être plus efficace. C'est plus facile à virer de bord, si vous voulez. Évidemment, on a trouvé moyen de leur accorder une aide de 1 million de dollars. Quand je vous ai dit pendant la campagne électorale, le meilleur est à venir, bien là, vous constatez là, que ça n'a pas pris de temps, puis je pense qu'on s'en va vers
un développement économique assez exceptionnel. Et là-dessus, Promotion Saguenay entend jouer un rôle primordial. On a un outil fabuleux dans la région. On était déjà présents, mais pour augmenter notre présence, ça prend du travail, de la collaboration, et je dois féliciter Promotion Saguenay de nous avoir aidés et d'avoir vraiment bâti un beau dossier. Ils ont fait un grand effort de bien nous démontrer la région, les valeurs de la région. Ils ont donné du support aussi pour préparer les locaux, nous donner une subvention pour nous aider à faire la construction des locaux. Ça demande un énorme investissement. On parle d'environ 7,6 millions. Préparer les locaux, embaucher les gens, former les gens. Donc, ils ont offert leur soutien financier pour nous attirer aussi dans la région. Les premières discussions que j'ai eues avec Promotion Saguenay à ce sujet-là sont en 2009. Alors, depuis 2009 qu'on a démarré le projet. Et tout au long du processus, Promotion Saguenay était avec nous dans le projet. Une situation difficile pour Ville de Saguenay. Cette nuit, à 1h30, un feu sur le pont. Quelque chose de plus improbable que ça. En plein hiver, un feu sur un pont, parce qu'on effectue des travaux en dessous du pont. Alors, on a pris la situation en main tout de suite cette nuit. On a fait rentrer des équipes d'urgence. On a vérifié si les policiers, les pompiers, les ambulanciers peuvent circuler. On a convenu que oui. On a fait descendre des experts de Québec, du ministère des Transports, qui sont en route pour venir examiner la situation. C'est très difficile parce qu'il y a seulement un pont qui traverse la rivière à la hauteur de Chicoutimi, et c'est le pont Dubuc qui est utilisé d'une façon importante le matin, le midi, aux heures de pointe. Alors, ces gens-là doivent faire un détour vers Jonquière, et le pont est beaucoup plus petit. Donc, c'est un détour d'une heure facilement. On n'est pas habitué à ça. Donc, tout est perturbé. Les écoles sont fermées. L'université, on a demandé la collaboration. On a fermé certains services. Le cégep de Chicoutimi est fermé. C'est une situation difficile, mais on est à l'ouvrage. Les autobus, c'est gratuit aujourd'hui pour tout le monde dans la ville. Et on demande aux gens de traverser un deuxième pont qui est prêt, mais qui ne peut pas accueillir des automobiles. Les gens traversent à pied. Il y a des autobus là qui les accueillent pour les faire circuler partout en ville. Donc, le plan des mesures d'urgence a été mis en place très, très rapidement. Est-ce que vous avez des nouvelles du côté du ministère des Transports? Oui, bien, j'ai parlé deux fois au ministre depuis cette nuit. Et puis, je sais qu'il va être dans la ville, il s'en vient. Alors, lui, il fait ce qu'il peut aussi. Il a demandé à ses équipes d'être au travail. On ne sait pas pour le moment à quelle heure le pont va rouvrir. Pas du tout. On ne sait pas du tout. Moins de 48 heures après l'incendie qui a forcé la fermeture du pont Dubuc, le ministère des Transports a autorisé cet après-midi les médias à pénétrer à l'intérieur de la structure afin de constater les dommages causés à celle-ci. De l'extérieur, on peut voir de près le pilier du pont endommagé et noirci par les flammes, et juste au-dessus, ce qu'on appelle le caisson, la partie qui est en vert et où les caméras ont été autorisées à filmer. Une fois à l'intérieur, on aperçoit les poutres d'acier qui ont subi des dégâts par la chaleur. Le ministère a prélevé des échantillons d'acier afin d'en faire l'analyse. Il faut que nos citoyens soient en sécurité. Il y a toutes sortes de problèmes particuliers qu'on vit. Alors, j'ai parlé avec M. Sylvain Ménard, qui est le commandant de la base de Bagotville. Je lui ai demandé sa collaboration. Il est très gentil, comme le sont les forces armées avec nous depuis toujours. Et actuellement, on commence à installer des tentes. Le pont va avoir des tentes, 75 tentes, une après l'autre. Donc, on va traverser le pont dans des tentes. Je parle du pont de Saint-Anne. On a refait nos plans de transport dans des deux côtés pour s'assurer que ça allait bien. On fait rentrer du personnel additionnel. On a été chercher des autobus partout. Par exemple, on a ceux d'Alma, Saint-Ambroise, des autobus d'Intercar. Et actuellement, on va chercher des autobus de Québec. Parce qu'on a décidé de mettre le transport en commun gratuit partout. On avait au début décidé de le mettre gratuit seulement dans le secteur Chicoutimi, mais très vite, ces gens-là se déplaçaient vers la baie Jonquière. Ça devenait ingérable. Donc, le transport en commun est gratuit partout. Demain et dimanche, c'est un peu particulier. Là, on a changé également les horaires. Vous avez tout ça sur le site de la ville. Si vous allez sur le site de la ville, vous allez voir, les horaires, c'est étiré. Là. On a beaucoup plus d'heures pour nos autobus. On va probablement obtenir l'autorisation du ministère des Transports pour pouvoir que des automobiles puissent traverser le pont si ce sont des gens qui vont donner des soins à des personnes malades. Nous, ce qu'on a fait avec M. Girard, M. Munger et toute l'équipe, on a une équipe extraordinaire. Là,
Je peux vous dire, là, on a travaillé depuis mardi, et ça baigne dans l'huile, ça va bien. Tout le monde est conscient du problème. Les citoyens, ils le savent, tout le monde collabore. Les commerçants, on en voit qui font, il y en a qui servent du café gratuitement. Il y a comme une générosité soudaine là, qui est extraordinaire, qui apparaît partout. Tout le monde veut donner, faire sa petite part. Et on espère qu'on va avoir une nouvelle très bientôt à l'effet que c'est terminé. Mais on se prépare pour un long terme. Mais là, je ne veux pas partir de rumeurs. Je ne veux pas vous laisser sous-entendre que j'ai des indices qui me disent que ça va durer longtemps. Je ne le sais pas plus que vous autres. On ne le sait pas. Le ministère des Transports fait des analyses. On ne le sait pas. On a un plan de mesures d'urgence impeccable. Moi, je vous dirais, là, au Québec, on sert de modèle dans ça. Alors, dans le plan de mesures d'urgence, tout est pensé. Là, on n'a pas décrété les mesures d'urgence. On n'a pas assez proche. On ne les a pas décrétés parce qu'on dit non. Ça, même si on les décrète, ça ne permet pas de rendre le service meilleur. Mais dans notre plan de mesures d'urgence, on a d'une façon précise le rôle que chaque employé de la ville va jouer si jamais on arrive à une urgence. Et ça, on s'en sert actuellement. Et on estime que le total des dépenses actuellement est certainement de 100 000 $ par jour. Ce matin, ça va relativement bien. On est déçus que ça dure encore une semaine, mais on s'organise. On ouvre le garage à Chicoutimi-Nord. On ouvre le chemin Saint-Jean-Vianney. Il ne sera pas ouvert ce matin, mais les grades sont là. Ils se préparent à ouvrir le chemin. Ça va être pour le transport adapté. Les circuits d'autobus, ça demeure gratuit. S'il y a des citoyens qui ont des bonnes idées, gênez-vous pas pour nous en faire part. Souvent, ça vient des citoyens, les meilleures idées. Et puis, on se prépare pour une semaine difficile encore pour les commerçants, pour l'hôpital, les gens malades. Alors, tout le monde est averti. Nos efforts sont mis du côté du service aux citoyens. Le citoyen, d'abord, là, j'ai dit, c'est cette semaine qu'il faut que ça se manifeste plus que jamais. Alors, il y a des gens qui vivent une situation très pénible cette semaine. Il faut les aider. On n'en laisse pas un dans le trouble. Je souhaite à tous mes citoyens une bonne semaine. C'est la veille de Noël, hein? C'est pas tellement agréable, mais on va fêter à Noël, j'espère, avec un pont ouvert. Demain matin, vendredi, à 5 heures, le pont du Buc va être ouvert. Je pense qu'il y a un bon travail qui a été fait, mais nos problèmes ne sont pas réglés parce qu'on a seulement une voie de chaque côté. On vous demande de la patience. Ceux pour qui c'est possible de passer par Chipcha, on vous recommande de le faire. Ça va nous donner une chance. Pour le reste, tout le plan est sur le site Internet de la Ville. Alors, je pense que là, on est bien parti. C'est parti dans le bon sens. Mais il ne faut pas oublier une chose, même quand ça va être complètement parti, c'est que ça peut se reproduire, donc ça nous prend un deuxième pont. Vous savez qu'on l'a déjà prévu en bas de la côte Saint-Jean-Eudes. On a prévu qu'il y aura un espace pour les sorties, tout ça. Alors, je pense qu'il faut s'y mettre là avec vigueur dans la demande pour avoir un deuxième pont pour franchir la rivière Saint-Denis. C'est maintenant officiel. Le 24 décembre au matin, le pont du Buc est ouvert à la circulation. Donc, toutes les entrées qu'on avait modifiées, tout ça, ça va se démanteler pendant la nuit. Le transport en commun, on reprend les horaires réguliers. Et la gratuité, ça se termine également le 24 décembre. Les navettes aussi. Alors, c'est une très belle nouvelle. On est très heureux. Je veux remercier d'une façon particulière le directeur des opérations, Carole Girard, qui a fait tout un travail. Les 200 employés de la ville qui ont été affectés à s'occuper là, pour qu'il y ait des entrées faciles pour que nos citoyens soient bien servis. Et vous aussi, vous avez été d'une patience extraordinaire. Joyeux Noël à tout le monde. Le Conseil municipal de Saguenay a adopté ce midi, en séance extraordinaire, le budget 2014 de la Ville. Un budget équilibré de 292 millions de dollars, en hausse de 1,2 million par rapport à 2013. La charge fiscale pour l'année qui vient est estimée à 2346 dollars. En comparaison avec la moyenne des grandes villes du Québec, chaque contribuable de Saguenay paie 558 dollars en moins de charges fiscales. En 2014, les contribuables verront leur compte de taxes augmenter de 1,9 %, une moyenne de 39 $. Vous allez constater qu'à Chicoutimi, le compte, je parle des anciennes villes, le territoire de l'ancienne ville de Chicoutimi, le compte de taxes augmente de 39 $. À Jonquière, 23. À la Baie, 46. À la Terrière, 109. Au lac Kénogami, 104. À Chipcha, 43. À Canton-Tremblay, 49.
Mais la moyenne, si on fait la moyenne de toute la ville, le compte de taxes augmente de 39 $. Donc, Chicoutimi est juste dans la moyenne. Il y a des villes qui augmentent plus que d'autres. Ça ne donne pas beaucoup d'argent à la ville, là, mais c'est parce qu'on est obligé d'harmoniser. Et ça va être comme ça chaque année, les villes qui, cette année, augmentent. Et ces villes-là doivent s'ajuster parce qu'il y a une harmonisation. Au niveau du plan triennal d'immobilisation, la Ville dépensera 38 millions de dollars en 2014, autant en 2015 et 32 millions l'année suivante. Le réseau routier, 5 859 000. Le réseau d'Acaduc et d'Égout, 7 millions 10. Vous avez ça, oui? 7 millions 18. Le développement domiciliaire, 2 millions 895. Les projets spéciaux, 3 millions 666. Les divers travaux de génie, 675. Les parcs et espaces verts, 2 millions 393. Les immeubles municipaux, 7 815 000. La machinerie d'équipement, 3 598 000. Vous avez un autre 442. Le développement économique, 4 500 000. Alors, vous avez ici près de 9 millions en réfection du réseau routier et asphaltage, dont 3 millions en pavage des nouveaux quartiers, la poursuite des travaux de modernisation de l'usine de filtration de Jonquière, l'étude et intervention prioritaire des ouvrages et traitements de pompage, l'investissement de 1,5 million dans les espaces verts, la réfection majeure de la mécanique et de la surface de glace du club de curling de la Ville Arena du Plateau. Et on aurait dû dire le Saint-Georges Vézina aussi. Ah, c'est écrit après, les travaux du Saint-Georges Vézina. Pour prendre connaissance des détails sur le budget 2014, rendez-vous sur le site Internet de la Ville de Saguenay sous la rubrique « Dossier de l'heure ». Vous venez de voir la troisième et dernière émission de notre revue de l'actualité municipale de Saguenay de l'année 2013. Nous vous rappelons que vous pouvez la revoir à nouveau en vous rendant sur le site Internet de villeenaction.ca dans la section Émissions longue durée. Merci d'avoir été avec nous. Passez une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Cette semaine, à Ville en action, nous vous présentons la troisième et dernière de notre série d'émissions portant sur les événements marquants de 2013. Une émission qui relate les faits saillants de l'actualité municipale de Saguenay au cours des 4 derniers mois de l'année. Parmi les événements qui ont retenu l'attention, la fermeture du pont du Buc en décembre. Ville en action, votre rendez-vous de l'actualité municipale tous les jours de la semaine.